السجاد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام qui nous a donné beaucoup de trésors, beaucoup de hadiths. On a parlé de Risalat al-Qubur. On parle aussi du Zabur al-Muhammad. Le Zabur, vous savez, c'est le livre de Daoud alayhi salam. C'est le livre de Daoud alayhi salam. On donne la ressemblance à Sahih al-Sajjadiyya et on dit c'est Zabur al-Muhammad. Parce que il y a beaucoup, beaucoup de secrets, beaucoup, beaucoup de signes et des chemins qui nous montrent pour avoir la réussite dans la vie. Et c'est ça l'importance de Sahifa al-Sajjadiyya. L'imam alayhi salam était demandé, comme vous savez tous, je pense tout, qu'il était demandé par une question. Comment vous avez commencé votre journée, comment allez-vous? Et lui, il a dit, Asbahtu matlouban bi thamani khisal. J'ai commencé ma journée que, tandis que je suis demandé de 8 choses. La première, c'était Allah Ta'ala yatlubuni bil fara'id wa an-nabi bis sunnah. On a parlé du premier et du deuxième. Wa an-nabi bis sunnah. Aussi, le troisième, c'est wal 'iyal bil qut. La famille me demande la subsistance, la, comment dire, le moyen et la vie. On est demandé par notre famille aussi. On a des droits, mais on a des devoirs envers de notre famille, notre femme et nos enfants. Et la même chose, la femme, elle a des devoirs auprès de son mari. Et ça, c'est très important dans l'islam. Quand on parlait de akhlaq, an-nabi bis sunnah, on a hier parlé de ça. On voit que aujourd'hui, les gens, quand ils partent dans un pays, vous, quand vous voyagez, comment vous distinguez et vous classifiez et vous donnez les points à chaque pays? Par quel point, quelle chose il vous donne la vie favorable vers un pays ou la vie infavorable vers l'autre? Si on regarde un petit peu, on pense un petit peu, je pense que la plupart de parmi vous, vous avez voyagé. Même si on voyage à côté, on fait une comparaison entre notre pays et les autres pays, n'est-ce pas? On dit, ces pays-là, j'étais très intéressé par ces pays-là. J'étais content, j'étais à l'aise. Ou dans un autre pays, vous dites que je n'étais pas à l'aise du tout. J'étais très énervé, j'étais très stressé, n'est-ce pas? Il y a une grande différence. D'où vient cette différence? Si on se demande. C'est des principes. C'est des principes qu'il est dans ces pays-là. Des principes, des traditions, des règles qu'on trouve dans ces pays-là. Un pays qui a le racisme est très fort dans un pays, par exemple. On le voit très clairement. On pense à ça et on dit aux autres, on dit ce pays-là était très mauvais parce que la plupart des gens sont racistes, n'est-ce pas? Ou dans un autre pays, vous dites non, les gens, ils étaient chaleureux. Très bel pays,
avec beaucoup, ils accueillent les gens avec la chaleur, ils sont très gentils, ils sont généreux. Vous voyez la différence? Et les gens qui font des voyages, ils voient ça. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Quand on voit ça et on est intéressé par un pays, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas dire que, oh là là, ce pays-là, il y avait le racisme et nous, on est racistes, par exemple. Il ne faut pas dire que ces pays-là, ils étaient chaleureux, ils étaient généreux, mais nous, on voit qu'on n'est pas, si on se regarde un petit peu, on voit qu'on n'est pas comme ça. Ce dans le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, notre prophète qui nous a parlé de l'importance de ce sujet-là. Comment on peut régler nous-mêmes? Comment on peut se changer? Très facilement. Il y a une règle, il y a une balance. Qu'il nous sert et qu'il est très utile. Il dit Ahib li akhik ma tuhib li nafsik wa akrah lahu ma takrah lahu. Aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et vous il ne faut pas aimer pour les autres ce qu'on n'aime pas pour nous-mêmes. Vous voyez très simple. Une règle qui règle toutes les choses. Parce que si, par exemple, vous voyez que les autres, ils vous oppriment, ils vous regardent par le racisme, il y a, par exemple, ils sont radins, ils sont avec tel caractère, vous, il faut que vous dites, moi, je ne vais plus faire ça. Même si une fois, Luqman a dit, ils ont demandé Luqman, comment vous êtes devenu Luqman al-Hakim? Il a dit, j'ai regardé les défauts des autres et je ne les ai pas faits. C'est-à-dire, j'ai appris la politesse et d'être bien, même des gens qui ne sont pas bien, des gens qui sont impolis. Vous voyez, même on peut apprendre des pays qu'on n'est pas qui ne nous intéressent pas, mais on peut prendre des leçons. Et la même chose des peuples, quand on voit des peuples qu'ils ont beaucoup de défauts, il faut régler ça. Il y a des gens qui font le contraire. Il y a des gens qui prennent l'exemple des autres peuples, mais ils prennent de mauvais exemples. Ils voient que, par exemple, cette peuple-là, ils ont, par exemple, les programmes de télévision, les séries, des choses comme ça, le foot, les cigarettes, beaucoup de choses. Je ne vais pas dire que le foot c'est comme la cigarette, c'est pas mon idée, mais pour dire qu'on copie un petit des choses, mais par exemple on ne regarde pas l'importance de savoir, la lecture, l'organisation, le respect de temps, tout ça on l'apprend pas. Et ça c'est une grande erreur. Si on veut faire, on veut vraiment faire quelque chose, je vous demande de lire les livres qui nous parlent des gens qui faisaient des voyages, beaucoup de voyages, des grands voyagistes. Comme les grands voyagistes de musulmans, comme Ibn Battuta, peut-être que vous avez entendu de cette personnalité. Il y a aussi des gens pieux, mu'mins, comme Sayyid Mohsen al-Amin, il a beaucoup voyagé. Vous connaissez peut-être Sayyid Mohsen al-Amin, un des savants connus dans le XXe siècle. Il a voyagé beaucoup et il a écrit, il a fait des notes sur ses voyages. Et aussi, on a donc chez les Européens comme Marco Polo et les autres personnalités. On voit que ces livres-là nous servent. Parce que si on n'a pas voyagé à tous ces pays-là, on prend des idées. Et quand on lit, quand on voit,
on distingue les choses. Les gens qui voyagent beaucoup ou qui lisent les notes de voyagistes, ils sont mieux placés pour changer leur population et leur communauté. Ça, c'est très important. Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam. Dans le voyage, il y a cinq profits que vous pouvez profiter. Le premier, il a dit تَفَرُّجُ هَمٍ وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَةُ مَاجِدٍ. Vous prenez déjà, vous serez déstressé. Parce que si on est stressé, quand on voyage, on change d'ambiance, on est plus à l'aise. Deuxième chose, وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ. Si dans notre pays, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de travail, on peut voyager, ça c'est bien aussi. وَاكْتِسَابُ مَعِيشَةٍ وَعِلْمٌ. Le savoir, parce que même le savoir, la science, il y a beaucoup de savoir qu'on ne peut pas l'avoir dans nos pays. On peut voyager et avoir la science. وَعَدَابٌ. Aussi des adabs, des traditions, il y a des bonnes traditions. Dans tous les pays, on peut apprendre des bonnes traditions dans les autres pays. Et on peut aussi trouver des bonnes personnalités et de bonnes personnes. Comme, alhamdoulilah, moi, je suis venu ici et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de gens sympas et, alhamdoulilah, même comme vous. Ça, c'est très important. Mais quand on fait ça, on est demandé de commencer à penser comment on peut commencer à, on peut changer notre communauté et notre population et comment on peut changer notre société. Ça, c'est une question très importante. Ici, la réponse est très simple. C'est avec la famille. On commence dans la famille. Parce que la société est construite de quoi ? Elle est construite des cellules, des petites cellules. Les petites cellules, ce sont les familles. Chaque famille, il est une petite cellule de la société. Si on règle le problème dans chaque famille, on a réglé le problème de la plupart des, on peut dire de deux tiers, même plus, le problème de la société. Et c'est pour ça qu'on voit l'islam a insisté sur la question de famille. Il a donné beaucoup d'importance sur la question de famille, de la famille. On voit que même les grands ulama, comme l'Allama al-Falsafi, il a un livre, il parle des enfants. Il s'appelle, je pense, ce livre-là, on a déjà parlé, et vous pouvez le trouver en urdu, je pense. Je ne sais pas si vous lisez l'urdu, je ne sais pas s'il est traduit au Gujarati, mais le livre il s'appelle At-Tifl Bayna At-Tarbiya Wal Wirasa. L'enfant entre l'éducation et le génétique, l'influence des génétiques. On voit que la personne, chaque enfant, il est influencé par ces deux facteurs, la génétique et l'éducation. Bon, l'enfant qui est dans une famille, qu'est-ce qu'il a besoin? La première chose que les parents s'entendent, les parents s'aiment entre eux, les parents soient corrects, la vie conjugale soit correcte dans la famille. Avec un petit problème dans la vie conjugale, on perd notre vie, la vie de l'enfant et l'éducation de l'enfant. Et c'est pour ça, déjà avant ça, l'islam, vous voyez, il insiste sur la question de mariage. Je parle de ça parce que je vois beaucoup de jeunes dans ce majlis et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mois bénis qu'il leur donne des bonnes femmes et aussi pour nos sœurs, qu'elles leur donnent des bonnes
mari, inshallah. On voit que l'imam, alayhi salam, il dit de notre prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sur l'élevage et sur le mariage. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, quand on parle de l'importance de mariage, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos sociétés à cause de cette question-là. Le prophète a dit « An-na'imu al-mutazawwiju an-na'im afdal 'inda Allah min as-sa'im al-qa'im al-'azim » Le mutazawwij, quelqu'un qui fait le mariage et qui, ça veut dire le dormi, qui fait le sommeil et qu'il dort, c'est mieux que la personne qui fait célibataire et il fait la jeûne et il fait la prière. Ça veut dire de le marier en dormant, il est mieux que le sa'im al-qa'im qu'il est célibataire. Voyez l'importance. Rak'atan yusallihima mutazawwij afdal min 70 rak'a yusallihima a'zab aw ghayr mutazawwij. Deux rak'at qu'il les fait un marié, une personne mariée est meilleur que 70 rak'at d'une personne célibataire. Vous voyez la différence? Ça, je pense, ça vous encourage. Bien sûr, les gens qui sont célibataires, les jeunes célibataires de Majlis, pas pour tout le monde, il est très important de penser au mariage. Vous voyez vraiment, parce que quand on parle de société et de problèmes de société, si on n'a pas, on commence pas la société avec le mariage, avec le temps, pas âgés, les personnes, quand ils arrivent à 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui laissent le mariage jusqu'à 40 ou 50 ans. Ça, c'est pas accepté dans l'islam. Là, on va y être fait l'islam. Il ne faut pas s'éloigner du mariage. Il ne faut pas fuir le mariage. C'est le contraire. Et quand on a dit, les problèmes de société viennent de problèmes de famille. Si on laisse les choses à la fin, on n'aura plus le courage et la motivation et la force pour éduquer les enfants. Et pour ça, on voit des sociétés, on voit des populations. En Amérique, on parle aujourd'hui qu'il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'akhlaq, il n'y a plus de principes. Pourquoi? Vous voyez dans les journaux américains ou les autres. Même les médecins, aujourd'hui, à quoi ils pensent? Au l'argent. En Amérique, il y a des médecins, ils ont fait des opérations de cancer pour des patients qui n'avaient pas de cancer, pour gagner de l'argent. Ça, vous avez déjà entendu de ce genre de choses. On fait des opérations qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le chirurgien, il veut gagner de l'argent. Vous pensez ça vient d'où? De mauvaise éducation, parce qu'on n'a pas fait le mariage dans le temps que l'islam nous demande. On laisse les choses, après on n'a plus le temps, on ne parle pas avec nos enfants, on ne donne pas la bonne éducation, on ne donne pas les principes à nos enfants, les enfants deviennent égoïstes, chaque personne pense à lui-même, même le mari dans la famille, cette famille-là, il est égoïste parce qu'il a l'habitude d'être seul pendant 40 ans. Il est seul, il n'a pas besoin de... Ça veut dire qu'il n'a pas senti la vie conjugale que l'islam voulait. Tout ça à cause de ça. À cause de quoi? Parce qu'on n'a pas donné l'importance à ça. Vous voyez aussi le problème. Les autres, on parle de beaucoup de problèmes. Si vous voyez les enfants... Dans les pays très avancés, on dit modernisés, vous voyez qu'ils pensent seulement
ou l'argent ou ils pensent seulement à faire les courses. Vous voyez le Black Friday. Vous connaissez le Black Friday en Amérique? C'est un jour qu'il y a des soldes incroyables. Il y a des promotions qui peut-être c'est 90%. Mais vous voyez des milliers et des milliers de personnes derrière les portes. Vous pouvez le voir sur YouTube. Derrière les portes des grands magasins, des malls, on le dit le mall. Derrière les malls, ils sont là-bas et ils attendent, ça veut dire même ils dorment des fois. Une nuit avant, ils dorment derrière les portes des grands magasins et des grands supermarchés. Et le lendemain, vous voyez comment ils attaquent pour entrer et pour acheter des affaires et des choses. Et pour faire de bonnes affaires. Ça, c'est quelle vie, ça? On est dans quel monde, ça? Ça, c'est le plus avancé, les pays qu'on pense qu'ils sont les plus avancés, les plus modernes. Et on trouve ça. Qu'est-ce que vous voulez voir de pays, malheureusement, qu'ils ont la pauvreté et ils copient de l'autre pays? Malheureusement, au lieu de revenir à l'islam, ils laissent l'islam à côté et ils commencent à faire le course vers la modernisation et les pays qui ont ce modèle-là. Il faut déjà regarder quel modèle. Est-ce que le modèle qu'on fait le copie est le bon modèle ou pas? On ne peut pas copier un modèle sans savoir c'est quoi comme modèle. Vous voyez que l'islam, il donne l'attention, il insiste sur la question de le mariage. Au contraire, à l'inverse, vous voyez certaines religions, ils disent le mariage n'est pas bon. Il ne faut pas se marier. Si vous pouvez ne pas marier, c'est mieux. Qui a dit ça? Allah a créé l'être humain pour faire. Il faut respecter la nature de l'être humain. On ne peut pas changer. Allah voulait que l'être humain, il a le désir, il a tout ça, mais il n'est pas un animal. Il faut qu'il respecte, il y a des règles. Il nous apprend l'islam, il faut faire le mariage. Quelle date est la meilleure? Quelles règles? On fait des règles avant le mariage. Il y a deux prières, on fait la nuit de mariage, on fait deux rak'at de prière pour les gens qui font le mariage. C'est spécifique. Avec un dua, il nous donne toutes les traditions, tous les adabs et les conditions de ça. Et il ne nous donne pas, on n'est pas stressé parce que peut-être j'ai fait mal, j'ai fait quelque chose de mauvais. Non, c'est le contraire. Les gens qui font le mariage, mais ils ont, ça veut dire qu'ils sont, psychologiquement, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas à l'aise. Ils pensent qu'ils font des mal maintenant. Ce n'est pas pareil. Comme l'islam, vous voyez dans certaines religions, quand il fait le mariage, il n'est pas content, il n'est pas à l'aise. Mais dans l'islam, c'est le contraire, il est à l'aise. Il est content, il fait ça, mais dans le chemin d'Allah. Et la famille ne va pas être la même. Mais après, comme l'islam, il nous demande de faire le mariage avec des conditions. Et aussi, il nous dit, comment on choisit la bonne femme ou le bon mari? Il faut choisir la bonne femme. La bonne femme, ce n'est pas seulement la beauté matérielle et l'apparence. C'est vrai, ça, il a un rôle important. Il faut qu'on soit... satisfait, mais c'est pas tout. La beauté, c'est pas tout. Il faut voir la beauté de Akhla, la beauté de elle, de savoir, de la famille. Est-ce qu'elle est d'une famille, mu'mine, ou elle est dans une famille qui boit la samahallah, qui insulte, qui disent n'importe quoi, qui mange n'importe quoi? C'est pas pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam. Il dit takhayyaru linutafikum fa inna al-irqa dassas. Vous choisissez pour le nutfa. Ça veut dire pour que vous sachiez après votre enfant, il sera dans quel ventre.
Est-ce qu'elle, elle sera une bonne femme? Et la même chose pour la femme. Il dit, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوُّجُوهُ. Si un mari, un bonhomme, il vient, il a le bon akhlaq, déjà l'akhlaq, et aussi le din, la religion, le bon comportement et la religion, vous le donnez votre fille. La fille, il faut qu'elle accepte, si elle est bien sûr satisfaite, si le cœur accepte, ça c'est très important. Mais les facteurs importants, ce sont là, la religion, le comportement, ce n'est pas de l'argent. Il ne parle pas de l'argent, c'est le contraire. Il dit, s'il est pauvre, il y a beaucoup de fuqara'a, yughnihim Allah min fadlih. Allah va lui donner la richesse. Vous voyez la différence dans l'opinion et les idées. Ça, c'est très important. Aussi, pour la sagesse, il dit « Iyakum walhamma » Il ne faut pas accepter, il ne faut pas prendre, ça veut dire et aussi pour l'homme. L'homme et femme, quand on cherche, s'il manque d'intelligence, c'est mieux de ne pas avancer beaucoup. Il y a des gens qui pensent mal. On a des difficultés dans toute nos vies, notre vie, avec ces gens-là. Mais si les gens, ils ont l'intelligence aussi. Et avec akhlaq et din, c'est bon, bismillah. Après qu'ils nous donnent ces gens, c'est-à-dire les conditions de mariage, et quelle personne, par exemple, aussi, il y a une autre chose, il dit, « Iyakum wa sha'rib al-khamr, la tuzawwiju sha'rib al-khamr. » Vous ne donnez pas votre fille à quelqu'un qui boit d'alcool. Ça, c'est très important. Parce qu'on a parlé que il donne l'influence, il y a l'influence génétique et il y a l'influence qu'on ne voit pas, mais il est là, il existe l'influence de comportement. Si le comportement des personnes n'est pas bon, il va transmettre à ses enfants. Et s'il boit ou il mange des choses mauvaises, il y a des influences qui vont arriver aux enfants. C'est pour ça qu'il dit, ne donne pas à vos enfants et votre fille à quelqu'un qui boit de l'alcool. Vous voyez? Ou qu'il, maintenant, aujourd'hui, on voit aussi la question des drogues. De drogue, d'alcool, des choses comme ça. Ou qu'il mange le haram, il mange le porc, il mange... Je sais que vous n'avez pas ce genre de choses, mais il faut dire les choses pour faire attention. Ça, c'est une autre chose. Bon, après, maintenant, on a construit une famille. Une ou un. On a construit une famille. Après, on vient maintenant, est-ce qu'il y a des droits et devoirs où l'islam nous a donné, nous a demandé de faire le mariage et après, il nous a laissé. Bien sûr que non. L'islam est très précis. Il nous donne le chemin de A à Z. On commence où? Avec quelles conditions? Dans quelle date? Avec qui? Tout ça. Et après, il commence maintenant. Bon, vous avez fait le mariage, venez. L'islam, il a aussi des conditions. Et il vous donne les règles. Dans les règles, on commence avec les hommes. Si vous acceptez. Les devoirs des hommes. Bien sûr. On ne va pas terminer ce soir, ça va prendre le temps. Même pour les hommes, il y a des devoirs pour les hommes et il y a des devoirs pour les femmes. Il y a des devoirs pour les femmes et il y a des devoirs pour les hommes. Si on parle aujourd'hui des devoirs des hommes, j'espère que si les familles qui sont, il y a un mari et les femmes qui sont venues ce soir, que les deux viennent demain aussi, parce que ça ne va pas être juste de parler des devoirs des hommes et qu'on laisse entendre les devoirs des femmes. On voit que l'islam a commencé avec, et il nous parle de devoirs des hommes. Le premier devoir, c'est le comportement. Le prophète, on a parlé hier, que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ
Les meilleurs parmi vous, ce sont les gens qui sont les meilleurs pour leur famille. Et moi, je suis le meilleur pour ma famille. Ça, c'est le premier hadith. L'importance du comportement. Comment on est dans notre famille? On voit que le prophète nous dit aussi en khayru rijal min ummati alladhina la yatatawaluna wa yahmuna alayhinna wa la yadhlumuna. Le meilleur parmi les hommes, ils sont les hommes qui n'oppriment pas les femmes. La samahallah, ils ne frappent pas les femmes. La samahallah, ils font mal, ils font pas mal aux femmes. Ça, c'est interdit. Et les gens, les mu'min, les bons croyants, ils ont ce caractère-là. Le Amir al-Mu'minin, sallallahu alayhi, dit « Al-mar'atu rayhana » La femme, c'est comme une fleur. « Wa laysat biqahramana » Elle n'est pas dure. Elle est douce. On ne peut pas être dur avec les femmes. Parce qu'elles sont douces. La nature de femme est comme ça. Al-mar'atu rayhana wa laysat biqahramana. C'est pour ça qu'on voit un des compagnons du prophète, il était décédé, Sa'd ibn Ma'an. Ils l'ont enterré. Le prophète est venu, il a dit Inna Sa'd la fi dhumma. Sa'd est maintenant en train dans la pressure, les, comment dire, sous la dhatat al-qabr. Oui, fachar al-qabr, ahsantum. Et le fachar est très très dur. Pourquoi? Il a dit parce qu'il n'avait pas un bon comportement avec sa femme et sa famille. Il a dit, ils ont dit comment? Il a dit li'annahu kana idha dakhala ala ahlihi dakhala mutafarriqan al-wajh. Quand il entrait chez sa famille et sa femme, elle entrait et il fait, c'est-à-dire il frônait les sourcils. Vous voyez, le mu'min, c'est pas accepté que le mu'min entre dans sa maison et chez lui et le visage soit fermé. Le visage soit sombre. Ça, c'est pas le safa, le bon safa de mu'min. Le mu'min, c'est le contraire. Il y a des gens, malheureusement, avec tout le monde, ils sont bien, ils ont le bon comportement, mais quand ils arrivent chez eux, ils deviennent comme Azraïl. Ça veut dire qu'ils deviennent vraiment très très mauvais. Pas Azraïl, alayhi salam, il n'est pas mauvais, mais il est, par exemple, pour les non-mu'min, il est un petit peu dur. Et on voit que les gens, il y a certains, ils rentrent chez eux avec le front, ils font le sourcier, ils ferment le visage, et avec les autres, ils sont très amoureux, très polis. Ça, c'est pas accepté. Dans l'islam, il dit, l'ami al-mu'minin, la yakun ahluka ashqa an-nas indak. C'est pas accepté que votre femme et votre famille soient le pire pour vous. Ça veut dire, vous faites le comportement le plus mauvais avec votre famille et vous êtes très gentil avec les autres. Ça, c'est pas le bon mu'min. Aussi, l'imam alayhi salam, il nous donne un autre règle aussi, très important. Il dit Fadariha fi kulli hal. Dans la vie de femme, avec votre femme, Fadariha fi kulli hal. Il faut vraiment concilier. Il faut être conciliant. Quelqu'un qui est concilié, qu'il concilie avec sa femme. Il cherche les points communs. Il ne cherche pas les différences. Il n'essaye pas de trouver des problèmes, de compliquer les choses. Vraiment, les mu'min, c'est les gens qui trouvent, qui font vraiment les méthodes qu'il nous a demandé Amir al-Mu'minin. Aussi, il faut donner le temps. Un des devoirs de mari, de donner le temps à sa famille. C'est pour ça qu'on voit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
quelqu'un qui s'assoit qu'il s'assoit avec sa famille, c'est meilleur de s'asseoir dans ma mosquée, de faire le i'tikaf dans ma mosquée, dans la mosquée du prophète. Vous voyez, de s'asseoir avec la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin. Psychologiquement, ils ont besoin. Émotionnellement, ils ont besoin. Éduquer, ça veut dire de côté éducation, ils ont besoin. Quand on s'assoit avec la famille, on parle avec notre femme, on voit les difficultés, on essaye de résoudre les problèmes, on voit les difficultés chez les enfants. Tout ça, c'est très important. Si on fait le ibadah dans la mosquée, mais nos enfants, ils s'égarent, ils deviennent égarés, est-ce qu'on a la réussite? Bien sûr que non. Le meilleur de prendre soin de notre famille et de nos enfants. Après, on peut faire le ibadah, on peut faire des choses recommandées. Ça, c'est wajib et ça, c'est recommandé. Ça, c'est très important. Je vous donne un exemple. Mais bien sûr, c'est bien. Il ne veut pas dire le prophète qu'on va s'asseoir tout le temps à la maison, on va laisser le travail, on va laisser tout. Non, c'est bien sûr que non. Mais même si on travaille, il faut expliquer à notre femme les efforts qu'on fait, comment on souffre, comment on fait pour qu'elle soit motivée pour nous aider, pour être patiente. Mais si on n'explique rien, si on ne parle pas, elle ne va pas supporter. Je vous donne une histoire, c'était écrit dans un journal. Il y avait une femme, elle avait jeté son mari du pont. Elle a jeté dans la mer et lui, il était tombé et il était mort. Ils l'ont ramené vers le juge. Le juge lui a demandé, pourquoi vous avez tué votre femme, votre mari? Pourquoi vous avez jeté votre mari dans l'eau? Elle a dit, mon mari, il était quelqu'un... Il était un architecte de pont. Qu'il faisait les ponts et qu'il construisait les ponts. Il est un architecte de pont. Sa vie, c'était le pont. Il parlait seulement de pont. Il avait seulement des photos de pont. Chez moi, chez nous, à la maison, partout vous trouviez les photos de pont. Et on est même une fois, on est parti et toujours il parlait de pont. Une fois, on était parti pour une vacance à Singapour. Là-bas, au lieu de m'amener vers le parc, le grand parc là-bas et le musée là-bas, il m'a ramené sur un des plus grands ponts du monde. J'ai dit c'est bon. Mais à la fin, les soirées qu'on était ensemble, les dernières soirées qu'on était ensemble, on était aussi, il m'a ramené sur le pont. Et il y avait la lune, il y avait le soleil, il y avait tout ça. Au lieu de me parler de la lune, de l'amour, de notre vie, il a commencé à parler de ce pont-là, comment il était construit, avec quelle méthode, avec quelle... Et ici, j'avais marre. Et ici, j'aime bien le café. J'avais pas l'intention de le tuer, mais j'étais aussi énervé que je voulais. Je ne pouvais pas supporter cette situation et je l'ai jeté dans l'eau. Et malheureusement, il a perdu la vie. Mais j'espère que parmi vous, il n'y a pas d'architecte de bon genre. De toute façon, ça, c'est vraiment important de ne pas donner l'importance et toute l'importance à notre vie de travail, à notre vie de, c'est-à-dire notre travail, et de donner l'importance à notre femme et à notre famille. Après aussi, une des choses qui sont très importantes dans la vie conjugale, c'est de casser la routine. Il ne faut pas avoir le même système, on fait la même chose, il faut casser la routine. Il faut changer, il faut faire des surprises des fois, il faut changer peut-être la voiture, si on peut. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Mais il faut changer des choses. Tout d'un coup, par exemple, on
sont organisés. On dit, on va partir maintenant, par exemple, pour un ou deux jours ailleurs, on va partir dans la province, ou des exemples, des choses comme ça. Ça, c'est très important dans la vie conjugale. Il y a une autre chose qui est très importante. On pense que l'islam, il demande à la famille de faire, à femme, de faire le ménage et de faire le nécessaire dans la maison. Ça, c'est pas obligatoire, vous savez. Ça, c'est pas obligé. Même si elle, ça veut dire qu'elle aide, on va parler demain, Inch'Allah, des devoirs des femmes. Et c'est très important que les femmes font ça, aident dans la maison. Mais c'est pas le devoir. Si ils font ça comme bénévole, ils auront les meilleurs ajr, les meilleurs tawab. Demain, je vais parler de ça et l'importance de travailler dans la maison. Mais si, dans notre tradition et dans notre vie, normalement les femmes ils travaillent et ils aident dans la maison. Mais c'est bien aussi des fois qu'on l'aide dans la vie conjugale, qu'on l'aide dans la maison. Si on peut venir et un petit peu, de l'aider un petit peu, on aura beaucoup de tawab. Vous voyez qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il dit « La yakhdimul riyal » Il ne servit pas les femmes. Illa saddiqun ou shahid ou rajulun yuridu Allah bi khayr ad-dunya wal akhirah. Sauf quelqu'un qui est saddiq, vous savez, vous connaissez le niveau de saddiq. Ou shahid ou martyr. C'est-à-dire, il est comme un martyr. Ou rajulun yuridu Allah bi khayr ad-dunya wal akhirah. Ou un homme qu'Allah veut pour lui le bien de dunya et le bien de akhirah. Pourquoi le bien de dunya? Parce que s'il fait comme ça, la femme, elle va être très contente. Elle va donner plus dans la vie. Elle va lui aider plus. Elle va être vraiment à son côté avec le cœur. Alhamdulillah, de toute façon, les femmes, elles sont comme ça. Même si on ne l'aide pas, ils sont vraiment gentils. On ne dit pas qu'ils ont besoin de ça pour qu'elles soient gentilles, mais c'est très important pour les encourager. Et aussi, il y a quelque chose, j'ai lu dans le Rawayat, pour vous, peut-être c'est un petit peu bizarre dans l'islam, est-ce que c'est vrai ça? Parce que nous, dans nos sociétés, on est vraiment des fois loin de l'islam. Il dit, « Ida saqa rajulu mra'atahu ujr » Si un homme, il vient vers sa femme et il ramène un coup d'eau, un verre d'eau, il ramène un verre d'eau, il le donne à sa femme, ça, il a la récompense. Vous voyez le prophète comment il nous apprend même des petites choses. On dit pas toujours, mais de faire ça, c'est un geste. C'est un geste très important. Aussi, il dit إِذَا إِنَّ الرَّجُلَ لَا يُؤْجَرْ فِي رَفْعِ اللُّقْمَ إِلَى فِي زَوْجَتِهِ. Si l'homme, il donne une bouchée à sa femme, ça, il va avoir beaucoup de récompenses. Vous voyez, ce geste-là, ce n'est pas pour les Européens. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour les mu'minines. C'est l'amour. Il faut que la vie conjugale soit chaleureuse. Il faut que l'amour soit toujours dans la maison. Si la maison de mu'minines devient froide, c'est fini. C'est très important de faire ce genre de choses, de parler, même de parler de l'amour, de parler des sentiments. Il ne faut pas avoir honte de dire « je vous aime ». Ce n'est pas pour les Européens ça, ce n'est pas pour les autres. Le prophète nous a dit « قَوْلُ رَجُلِ الْمَرْأَةِ إِنِّي أُحِبُّكِ لَا يَذْهَبْ مِنْ قَلْبِهَا أَبَدًا » Quand le mari il dit à sa femme « je t'aime », ça vient pas, ça sort pas de sa cœur, du tout, de son cœur, jusqu'à la fin de vie. La femme, si elle écoute, elle entend des belles phrases de mari, elle aura le courage pour la vie. Vous savez, elle a beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés avec les enfants, avec la vie. Avec quelques mots, avec quelques phrases, on peut changer tout ça, et elle doit avoir beaucoup de force dans la vie. Et aussi, notre
Prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Apparemment, je veux terminer avec ça parce que on n'a pas fait attention. On a dépassé le temps. On a dit, il nous a dit, maltakhadha zawjatan falyukrimha. Quand vous prenez, vous vous mariez avec une femme, il faut que vous soyez généreux avec elle. La générosité dans la famille est très importante. Et aussi, un autre riwaya, ma akram al-riyal illa karim. Il n'est pas généreux avec les femmes, sauf les gens généreux. Les vrais généreux sont les gens qui sont généreux déjà avec leur famille. Ma min rajulin, un autre hadith, qu'il donne un cadeau à sa femme, illa farrahahu Allah yawm al-qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le rend joyeux dans le jour du jugement. Vous voyez tout ça? Il y avait, je termine avec cette histoire, il y avait quelqu'un qui était très généreux. Chaque fois qu'il voulait rentrer chez lui, il ramenait un petit cadeau, au moins un petit cadeau avec lui, et il donnait et il présentait à sa femme. Chaque fois. C'était une règle qu'il ne laissait pas. Chaque fois il ramenait, des fois il ramenait même d'oranges, des fois de fleurs, des fois de sucreries, des fois un petit vêtement. Chaque fois il faisait ça. Un jour, il était dans le marché, il voulait rentrer. Il a pensé, qu'est-ce que je dois acheter? Il a dit que j'ai acheté tout. On a tout chez nous. On n'a rien besoin. Ma femme, elle n'a rien besoin. Bon, c'est bon, on va rentrer. Il est rentré avec les marites. Il est venu chez lui, il a frappé la porte. La femme est venue, elle a ouvert la porte, elle a regardé les mains de son mari, les mains sont vides. Elle a regardé le visage de son mari, elle a dit, oh là là, je ne savais pas que son mari, il était, comment dire, l'asla. Son cheveu, il était, comment dire, il était chauve. Il a dit que je ne savais pas que tu es comme ça. Vous voyez, les générosités, ils cachent même les défauts. Si on a des petits défauts, pendant des années et des années, elle n'a pas vu ce problème-là. Mais ce jour-là, que les mains étaient vides, ici, elle a regardé le visage et elle a trouvé le défaut de son mari. C'est vraiment important. Vous voyez, si on est généreux, les mains elles sont toujours vides. Avec les mains, on cache la tête et on cache tout. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, le reste des devoirs de mari et surtout les devoirs de femme. Je demande les maris qu'ils ne soient pas mécontents aujourd'hui parce qu'on a donné leurs devoirs sans les devoirs de l'autre côté et des femmes. Inch'Allah, on va continuer ça demain. Allahumma waffiqna li maradik. Allahumma jannibna ma'asik. Allahumma la tukhrijna min al-dunya hatta tarda 'anna. Ila amwatina wa amwat al-hadirin. Wa ila man mata 'ala al-iman. La siyama al-ulama والصلحاء والصالحين والشهداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات